Air Delta, te voilà. Les petites heures avaient vu juste. Monte jusqu'au guichet de la station. Je partagerai avec toi ce que je sais. Voilà à quoi ressemblent la plupart des survivants. Ils sont devenus des crozoums, des drogués, des bêtes féroces. Ici le docteur Sophia Lamb. Andrew Ryan est mort. Mais le tyran vit toujours en nous tous. N'oubliez jamais, nous rejetons le gène. Nous rejetons l'ego. Nous rejetons le tyran. On me dit que les citoyens sont nerveux, qu'ils se sont isolés, et que le soleil leur manque. Et la censure ? Leur manque-t-elle, la censure ? Les réquisitions de biens personnels ? La Tcheka, qui fait disparaître les citoyens en pleine nuit ? Cependant, cette femme, Sophia Lamb, on dit qu'elle est la meilleure dans son domaine. Admettons, si elle a les moyens d'étouffer les maillons les plus faibles de la grande chaîne, je vais la laisser faire. Je te reconnais. Ce symbole sur ta main est le symbole d'un homme mort. Il y a 10 ans, sujet Delta, je t'ai vu porter un pistolet à ta tempe et presser la détente. Mais rassure-toi, de ta souffrance, un paradis est né. Je ne sais pas comment tu as survécu, mais tu ne souffriras plus. Ces hommes vont te soulager de ton fardeau. Sois assuré que, comme tout ce que j'ai pu faire, il s'agit d'un acte d'amour. C'est Sophia Lamb! Elle t'a retrouvé! Connais maintenant notre ennemi commun, Sophia Lamb. La caméra placée dans ton casque me permet de voir ce que tu vois. Grâce à ce dispositif, je pourrais t'aider à la combattre. Attention, Lamb contrôle les caméras de surveillance. Mais si tu es malin, tu pourras en servir à ton avantage. T'es revenu, hein? Qu'est-ce que...
Laisse tomber. Vas-y, fous-toi en l'air. Eleanor, je sais que tu es réveillée. Je le sens. Dorénavant, maman ne pourra plus jouer avec toi. C'est fini. Ce plasmide est pour toi. Si je ne me trompe pas, tu peux l'utiliser maintenant. Vite, viens me retrouver. Lancez des objets sur vos ennemis. Vous pouvez même attraper leurs grenades et leur envoyer. Il a la surface à jeter des gueulets en tripotant des lanceuses de grand camp. Et s'il y en a un chat qui bouffe, il a sauté la marmaille. Il est sur la surface. Allez, allez, c'est pas possible. Sans moi, Rapture n'existerait pas. Passons l'Atlantique Express. C'est dans mon compartiment que Ryan a profité de son premier tour de Rapture. Et puis, les bathysphères sont arrivés. Ah, les bathysphères. On ne parlait plus que de ça. À présent, mes rails ne relient que les plus vieux quartiers de Rapture. Et la ville, elle, m'a oublié en chemin. La bonne nouvelle, c'est que je suis plein aux as maintenant. Mais cette mode pour les véhicules personnels ne durera pas, qu'on se le dise. Sophia Lomb se sert des chromosomes pour t'éliminer. La plupart des protecteurs sont ses esclaves. Et ils protègent les petites sœurs. Mais toi, quelqu'un t'a réveillé. Je connais la nature de ton lien avec Eleanor, Delta. Je sais que pour sauver ta propre vie, tu vas venir la chercher. Une illustre destinée l'attend, Delta. Et toi, tu n'y as pas ta place. Tu n'as pas ta place au paradis. En psychiatrie éthique, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'évolution.
Les dépressions, les crises d'angoisse, les pathologies sexuelles, toutes ces névroses ne sont que des réactions à la pression qu'exerce sur nous la sélection naturelle. L'ironie de cette histoire, c'est que c'est au nom de cette théorie que les hommes de Ryan m'ont invité ici, interprétant l'intérêt que je lui portais comme un acte de foi envers le sacro-saint concept de compétition. La vérité, Eleanor, c'est qu'il vaut mieux apprendre à connaître la bête avant de l'affronter. Ascenseur. Je vais te dire ce que les petites m'ont dit. Tu es un protecteur très très vieux et lié à vie à une seule petite sœur. Lorsque tu es trop longtemps loin d'elle, ton corps se met en veille. Un peu comme un coma. Tant que la petite est à rapture, tu es coincé ici. Le nom de la petite sœur, c'est Eleanor Lamb, la fille de Sophia Lamb. Elle est gardée à Fontaine Futuristics, de l'autre côté de la ville. Tu dois la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, c'est pour cette raison que je dois affronter Sophia Lamb. Elle utilise les nouvelles petites sœurs pour... Je ne sais pas. Je suis revenue pour les sauver. Si je ne le fais pas, d'autres petites mourront à cause de mes péchés. Et le cauchemar de Rapture se répétera éternellement. Bien, écoute... Citoyen de Rapture, voici le sujet Delta. Derrière ce scaphandre se cache un ennemi du peuple. Sans âme et sans pitié, cet animal n'a pas sa place ici
Et notre famille doit le traquer pour le rendre à l'océan. L'Ombre est prête à tout pour te retrouver. Toi, retiens les chromosomes pendant notre fuite. Merci. Maintenant, je dois partir. J'en suis navrée. Mais je dois aider d'autres personnes avant que Rapture soit engloutie. Cet homme, Sinclair, c'est un allié. Il te guidera jusqu'à Eleanor. Au revoir, Air Delta, et bonne chance. Oh, regarde-toi. Un vrai chevalier en armure, cheval de fer inclus. Je me présente, Augustus Sinclair. À ton service. Avec la vieille Tenenbaum, on est très intéressé par les locaux de Fontaine Futuristics. C'est d'ailleurs là que tu trouveras Eleanor Lamb. Je crois qu'on peut faire affaire tous les deux. Prends le train vers le parc d'agrément Ryan. Je te retrouve bientôt. Fellow is dead.